Bonjour, bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau webinaire dans un décor de choix, un écrin de verdure, un cocon verdoyant fabuleux. Une fois n'est pas coutume, nous avons pré-enregistré cette émission. Vous le savez, nous voulons vous proposer toujours des invités d'exception. Et vous allez le voir, c'est le cas aujourd'hui. Nous allons échanger avec un invité, un auteur exceptionnel. Et toujours dans le but de vous proposer une qualité de vidéo parfaite, nous avons tourné, pré-enregistré cette émission. Donc voilà. Dans un cadre fabuleux, si vous tendez un peu l'oreille, peut-être que vous entendrez des cigales. Donc aujourd'hui, nous sommes en présence d'un invité incroyable, le professeur Marc Henry. Bonjour, bonjour professeur. Je suis ravie d'être là. Nous sommes enchantés de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous redresse un peu votre parcours exceptionnel. Nous allons en rediscuter tout à l'heure. Donc, vous êtes ingénieur, vous êtes chimiste, vous êtes docteur en sciences, chercheur, professeur des universités émérites. Vous avez plus de 160 articles à votre actif. Vous avez porté une attention toute particulière à l'eau sous tous ses aspects. Physique, chimique, biologique, en relation avec les phénomènes électromagnétiques également. Vous êtes historien des sciences, épistémologique. Vous êtes également lauréat du prix Alain Horviller en 2019 et celui de Yves Lasnet en 2020 autour de la recherche sur l'homéopathie et les très hautes dilutions. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. On peut citer de l'information à l'exformation avec toute la relation autour de l'eau, du vide et des molécules ADN. Vous avez écrit également « L'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine ».« L'eau qui nous relie », qui a été coécrit avec Rodolphe Forger. Également « L'homéopathie, la physique et la chimie des hautes dilutions ». Et encore « L'eau morphogénique, santé, information et champ de conscience ». Et vous êtes par ailleurs membre du comité scientifique de l'Institut Transsciences, membre d'honneur de l'association Nature au Quant et membre du comité de parrainage de l'association Robin des Toits. Quel CV ! Qui mérite pour la protection contre les ondes électromagnétiques qui est le sujet du jour. Complètement. On va l'aborder, mais déjà pour commencer, donc ce parcours incroyable, voilà, qu'est-ce que vous pourriez... Non, le parcours n'est pas incroyable, c'est un parcours universitaire tout à fait classique. Il y a beaucoup d'humilité, mais... Non, je vous le dis en toute sincérité, il y a des gens qui ont un parcours bien plus brillant que moi. C'est un parcours, disons, standard. C'est-à-dire, vous faites 40 ans de recherche, d'enseignement, moi que 27 ans d'enseignement, parce que j'ai démarré au CNRS. Donc j'étais un pur chercheur. Ensuite, je suis allé vers l'enseignement parce que ça m'attirait. Donc 40 ans de carrière. Et puis, bah oui, c'est normal qu'au bout de 40 ans de carrière, on ait un certain nombre d'articles, si on a toujours publié régulièrement. Après, ce qui est, disons, un petit peu particulier chez moi, et que là, par contre, on ne retrouve pas dans tous les parcours académiques, c'est le multispectre. C'est-à-dire, en général, un chercheur académique se concentre sur sa spécialité. La science est cloisonnée, spécialisée. Donc moi, par exemple, j'aurais pu rester sur la chimie. C'était ma spécialité de base. On démarre sur la chimie, on finit sur la chimie. Il se trouve que je suis démarré sur la chimie, bien sûr. Et comme j'ai travaillé, ça fait une thèse sur la chimie dans l'eau, qu'est-ce que deviennent les espèces chimiques lorsqu'on les dissout dans l'eau, je me suis retrouvé après en physique, parce qu'il a fallu que je comprenne les propriétés de l'eau, en biologie parce que le corps est fait d'eau, puis en médecine parce que la biologie c'est des bonhommes qui peuvent être malades, puis après en astronomie parce que je me suis intéressé au vide et que le vide était en astronomie, et puis je me suis finalement retrouvé à m'intéresser au phénomène de conscience. Donc ça par contre c'est pas banal, c'est pas un truc classique académique, et ce parcours-là vient du fait que j'ai travaillé sur l'eau. C'est-à-dire que dès que vous travaillez sur l'eau, automatiquement, ça devient multispectre. C'est le lien conducteur. Vous ne pouvez pas rester spécialisé. Parce que l'eau, elle déborde tous les cadres. Bon, on le voit bien, hein, quand vous mettez de l'eau dans un récipient, si vous dépassez la hauteur du récipient, ben, ça déborde. On ne peut pas mettre l'eau en récipient. Si le récipient se casse, l'eau coule. Donc dès que vous étudiez cette substance qui est l'eau, forcément vous débouchez dans d'autres domaines. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous êtes vraiment étroit d'esprit. Bon, après, on
on a le droit d'être étroit d'esprit. Mais si vous avez un peu vraiment l'âme du chercheur, c'est de voir large, forcément, vous arrivez à ce type de parcours qui n'a rien d'exceptionnel. Je pourrais vous citer Gérald Pollack, qui lui est aux États-Unis, qui a à peu près le même parcours que moi. Luc Montagnier, qui est parti, lui, de la médecine et qui a terminé dans la physique quantique. Vous voyez, on n'est pas nombreux, mais on n'est pas non plus... je suis pas tout seul. Je suis en bonne compagnie. bien accompagné. Non, mais vous faites partie des éminents professeurs, en tout cas en France actuellement. Et nous sommes ravis de vous retrouver et que vous puissiez nous partager une partie de vos connaissances, en tout cas aujourd'hui. Donc, on reviendra sur l'eau tout au long de l'échange. Alors l'eau, c'est un fil rouge. On va en retrouver un peu partout. Et le sujet aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'électromagnétisme. Donc ça, on va regarder ça un petit peu en détail. Donc, Marc, maintenant, est-ce qu'on pourrait aborder le rapport et l'impact des ondes, revoir peut-être déjà ce qu'est une onde, ce que tu pourrais nous réexpliquer, et puis l'impact sur le vivant. Alors, pour comprendre l'impact des ondes électromagnétiques sur le vivant, il faut d'abord savoir ce que c'est que le vivant. Ensuite, il faut savoir ce que c'est que la physique. Donc là, il y aura un bonus où tout est expliqué en détail, donc je ne vais pas revenir sur les concepts. S'il y a des gens qui butent sur un conseil, il faudra qu'ils aillent dans le bonus. Tout est expliqué dans le bonus, bien détaillé. Voilà, donc là, moi, je vais juste appliquer ce qu'on sait aujourd'hui de la science fondamentale. Et la première chose, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Ça, c'est vraiment basique. Donc, je rattache ça, la vie est toujours rattachée à la notion d'entropie. C'est-à-dire tout système vivant est un système qui crée de l'entropie. Donc ça, on explique bien ce que c'est que l'entropie dans le quatrième étage de notre pyramide, dans le bonus. je ne vais pas revenir là-dessus. Et elle a une équation, on a écrit une équation avec un médecin que j'aime bien, qui s'appelle Laurent Schwartz. Une équation que tout le monde va connaître, parce qu'elle s'écrit A égale B plus C plus D. Je répète. A égale B plus C plus D. Voilà, tu l'as déjà mémorisé. Ah, ça y est, je la maîtrise. Voilà, donc c'est l'équation de la vie. Alors pourquoi on appelle ça l'équation de la vie? Parce que A, c'est les aliments. C'est-à-dire que la vie, ça consiste à se nourrir. Mm-hmm. Égal, qu'est-ce qu'on en fait? B, c'est la biomasse. Donc on va utiliser ces aliments pour créer notre corps. C, c'est de la chaleur, donc mm-hmm. de l'entropie. Mm-hmm. Et D, c'est des déchets. Donc aliments égale biomasse plus chaleur, plus déchets. Voilà. Alors ça, c'est fondamental. C'est ce qui va définir un être vivant, cette capacité qu'on a à transformer des aliments en déchets. Avec un problème qui est derrière, qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est que notre responsabilité en tant qu'être vivant, c'est comment on transforme les aliments en déchets, chaleur et biomasse. En général, on considère que la biomasse, c'est bon. On considère que la chaleur, c'est inutile et que les déchets, ça va à la poubelle. Sauf que si on les gère pas, les déchets s'accumulent et on voit où est le problème. Ouais. Voilà, donc ça, c'est la première diapositive. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil, en fait, sur Terre, tout ce qui se passe dans la vie trouve son origine dans le soleil. En fait. Parce que le soleil est un système de basse entropie qui envoie des photons chauds qui sont de basse entropie. Et la Terre reçoit ces photons de basse entropie et crée des photons de haute entropie. Donc, créer de l'entropie. Mmh. Et c'est dans ce processus qu'on a de créer cette haute entropie qu'on peut se complexifier. C'est-à-dire que plus le flux d'entropie qui nous traverse est important, plus on va vers de la complexité. Donc, j'ai pris un exemple, par exemple, si vous faites un flux minimal, parce qu'on a vu qu'il y a des constantes minimales, ben vous serez une bactérie. Une bactérie, ça produit de l'entropie, mais comme ça, quoi, de façon minimale. Si vous voulez un être humain, va falloir produire un max de déchets et un max de flux. Surtout si vous voulez que cet humain dispose d'une certaine technologie. Ça fait partie de l'humain. Hein. N'oubliez pas que tout ce qui nous entoure, les maisons, les villes, tout ça, sont considérés comme faisant partie de l'humain. Mm-hmm. Donc participent à l'entropie. Et donc c'est pour ça que si vous voulez avoir un système très complexe, il vous faut gérer des flux d'entropie énormes et donc des flux de déchets énormes. C'est là où on voit l'intelligence de la nature. C'est qu'il y a un déchet qui est génial, c'est l'eau. Oui.
beaucoup de processus naturels ont comme déchet de l'eau. Intérêt, pourquoi? Parce que l'eau est un déchet qui va repermettre, on a besoin de boire pour vivre, donc ce déchet nous permet de vivre aussi. Donc ça, c'est l'intelligence suprême de la nature, c'est de créer un déchet qui est réutilisable. Oui, à la fois drainant et donc, hydratant. Sur Terre, c'est de l'eau, mais par exemple, le Soleil, lui, crée un autre déchet qui s'appelle l'hélium. Et qu'est-ce que c'est que ce déchet? Ben, c'est la source de tous les atomes, en fait. Et qu'ensuite, le Soleil brûle l'hélium pour faire le carbone, il brûle le carbone pour faire l'oxygène, il brûle l'oxygène pour faire l'azote, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'il crée tous les atomes. Donc ça, c'est la façon intelligente de générer cette équation. C'est, je crée un déchet, ben je le gère. Nous, notre problème, c'est qu'on crée des déchets, on ne les gère pas. On les balance. Et ben à un moment donné, ils sont là, et puis des déchets, c'est de l'entropie. Et quand vous avez de l'entropie, c'est du désordre. Et que, bon, je vous ai dit que les soleils créent, en fait, sont des générateurs, les étoiles sont des générateurs de matière, d'atomes. Les scientifiques se sont intéressés à savoir quels étaient les atomes les plus abondants dans l'univers, par ordre. Comment on appelle ça? Un top? Le hit parade, quoi. Ouais, le hit parade, c'est ça. Alors évidemment, le hit parade numéro un, c'est l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est le père de tous les atomes. Donc, l'hydrogène partout dans l'univers, ça ne surprendra personne. Ensuite, ben, comme je vous ai dit, les étoiles brûlent de l'hydrogène pour faire de l'hélium. Le deuxième élément le plus abondant, c'est l'hélium. C'est le déchet de la fabrication de tous les autres éléments. Alors ça, c'est un déchet qui est intéressant, l'hélium. Pourquoi? Parce qu'il est neutre. Chimiquement, c'est une molécule qui ne veut pas se lier à une autre. Donc, je peux vous faire respirer de l'hélium. À la limite, vous allez perdre connaissance. Mais quand l'hélium sera parti, vous reprendrez conscience et tout sera comme avant. C'est pas toxique. Donc, c'est un bon déchet. Ce qui nous intéresse, c'est le troisième au palmarès. Le troisième, devinez lequel c'est l'oxygène. Qui est un déchet d'étoiles, déchet stellaire. Mais c'est le troisième élément le plus abondant dans l'univers. Donc le premier, c'est l'hydrogène. Le troisième, c'est l'oxygène, puisque le deuxième refuse de faire de la chimie. Mais la conclusion est évidente. Qu'est-ce que vous faites quand vous mélangez de l'hydrogène et de l'oxygène? Là, vous faites cette molécule. Oui. H2O. H2O. Mm. Et donc l'eau est la substance la plus abondante de l'univers. Mm. Ensuite, si vous appliquez tous les raisonnements de la pyramide du savoir qui est dans le bonus, vous verrez que c'est aussi la molécule la plus cohésive. C'est-à-dire, si on s'intéresse aux forces qui s'exercent entre ces molécules d'eau, la molécule d'eau est la substance qui maximise ses forces. Donc c'est à la fois la plus abondante, la plus cohésive. Vous avez des systèmes vivants, devinez de quoi ils vont être constitués. D'eau. Puis que c'est la substance la plus abondante et la plus cohésive. Alors ça, bah, c'est facile à faire parce qu'on prend un être humain, on le crame. Alors je ne vous montre pas le processus de crémation. Hein. On montre juste le processus, le résultat. Vous savez tout ce qui se passe quand on crème, on fait une crémation. C'est qu'il y a des trucs qui partent en vapeur. Et puis il reste un résidu solide, l'urne, qu'on met, voilà, votre papa, on a eu un sacré changement de volume. Et si on fait des analyses chimiques de ce qui est parti et de ce qui reste, on trouve qu'en effet, alors une femme, c'est entre 45 et 60% d'eau, et un homme, c'est 60 à 65% d'eau. Alors ça, c'est une arnaque, ces chiffres. Parce que ce sont les chiffres qu'on obtient quand on analyse chimiquement. Mais si vous référez à la pyramide de notre savoir, je vous ai dit que le sommet de la pyramide, c'était les nombres. C'est-à-dire qu'on ne doit pas considérer les masses. Des masses, comme je l'ai expliqué, c'est de l'inertie spatiale, la masse. Ça n'a rien à voir avec la matière. C'est juste que vous voulez accélérer une certaine quantité d'espace et que pour ça, il va falloir une certaine énergie, donc une masse plus ou moins importante. Ce qui est intéressant, si vous voulez être à la racine même de la connaissance, c'est le nombre. Donc ça, on peut le faire. On peut convertir ces chiffres en masse en nombre. Mm-hmm. On utilise la fameuse constante dont le log vaut moins 23, qui est le nombre d'Avogadro, moins 24, pardon. Et voilà les résultats qu'on trouve. Une femme, c'est 96% d'eau, 2,5% d'ion, 1,5% de gras. Trois composants principaux d'une femme. De l'eau, des ions, du gras. Pour un homme, c'est 97% d'eau, 2% d'ion, 1% de gras.
Bon, le, pour ceux qui sont intéressés, là, le calcul n'est pas dans le bonus, il est dans mon livre, oui. L'homorphogénique. L'homorphogénique, donc, oui, oui. Santé, information et champ de conscience. Hein. Vous allez vous référer au bouquin et vous aurez tout. Et si vous réfléchissez un petit peu, si vous avez fait un peu de cuisine, c'est quoi un mélange d'eau, de sel et de gras et d'huile? Ça s'appelle une mayonnaise. Une mayonnaise, oui. Ah, oui, oui. Donc vous êtes une mayonnaise, si on veut être simple. Et regardez bien que quand on passe de la masse, 60% maximum hein, pour un être humain, au nombre, 87-80%, vous voyez qu'il ne reste finalement plus que ce qui est important dans un être humain. L'eau, les ions, la graisse. Le fait qu'il y ait des protéines, de l'ADN, des molécules organiques, ça compte pour rien du tout, en fait, en nombre. Bien sûr, ces molécules sont importantes pour faire des choses, mais en nombre, ce ne sont pas elles qui gouvernent, c'est-à-dire qu'elles sont sous le pouvoir de ces trois autres substances qui sont l'huile, l'ion et le gras. L'eau, l'ion et le gras. Alors, évidemment, quand vous prenez cette structure ternaire, l'eau, c'est évident, parce qu'il va nous falloir faire des choses avec. Et quand vous regardez, l'eau, c'est la vie. Donc, c'est la substance la plus abondante, la plus cohésive, donc c'est normal que ce soit elle qui soit majoritaire. Les ions, ben là, vous vous référez au cinquième étage de notre pyramide du savoir, c'est l'électromagnétisme. C'est-à-dire que nous allons être des êtres électromagnétiques à cause de l'eau et des ions qui nous constituent. Et la graisse, ça sert à quoi? Ça sert à faire notre corps, en fait. Parce que toute cellule, en fait, c'est de l'eau entourée de graisse. Et donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de graisse. Parce qu'il faut faire ces petites couches-là, tous ces magnifiques tissus sont faits en fait d'eau et de gras. Et puis il y a tout ça, il y a des ions qui baignent là-dedans. Et voilà la chose que vous montrez qu'on est électrique. Vous voyez, ça c'est mes ions qui me permettent de pouvoir allumer les diodes. Et on peut faire même mieux. Ouais. Donnez-moi la main. Non, celle-là. Ça s'allume pas, touché. Donc non seulement nous sommes payés d'électricité, mais nous les changeons. Ouais, ouais. Il y a des courants qui circulent. Ouais. Donc vous voyez qu'on est vraiment électromagnétique. Hein. Et c'est ça qui m'énerve un petit peu quand on rentre dans le débat des ondes électromagnétiques, c'est qu'on a trop, les gens considèrent trop que l'homme est fait de matière. Non, il y a la matière, l'eau, les ions et les gras, mais il y a aussi ce magnétisme, cette électricité que nous avons en nous. Qui est très facile à mettre en évidence. Et là, ce que j'ai l'habitude de faire dans d'autres conférences, c'est de prendre une plante, hein, celle-là, là, qui est là, et je la branche et je la fais chanter pour montrer qu'elle aussi a une activité électrique. Tout être vivant est un être électromagnétique avant d'être un être de matière. Parce que si vous référez à notre connaissance de la pyramide de la connaissance, ce qui est tout en haut de la pyramide, ce n'est pas la matière, c'est le vide. À la base, il y a du vide, il y a des nombres, il y a des phases. Et c'est ça, qu'on est vraiment fait de ça. Je peux même vous le démontrer de façon encore plus spectaculaire. Oui, ça, cette diapositive, je l'ai mis pour vous montrer quels sont les principaux centres émetteurs d'électromagnétisme dans votre corps. Il y en a trois. C'est l'estomac, le cœur et le cerveau. C'est-à-dire ce sont les trois endroits où vous émettez ces fameuses ondes électromagnétiques. Ouais. Donc c'est facile, hein, vous avez ce qu'on appelle une entité électrique, le champ électrique, qui lorsqu'il varie dans le temps crée un champ magnétique, qui lorsqu'il varie dans l'espace crée un champ électrique qui varie dans le temps, qui crée un champ magnétique, qui crée un champ électrique, qui crée un champ magnétique. Et c'est ça qu'on peut enregistrer, on vous met des électrodes. Ça c'est pas des électrodes aussi. Mais ça c'est pour les jouets, c'est pour les enfants. Ensuite, on peut faire des électroencéphalogrammes, on peut faire des électrocardiogrammes, on peut faire des électrogastro-entérogrammes, c'est-à-dire qu'on met des électrodes un peu partout, et puis on regarde les courants et tout ça. Et donc, vous voyez, ce qui nous caractérise, c'est toujours des champs de très faible intensité. Donc, la hiérarchie, elle est la suivante. Le plus gros émetteur, c'est le cœur. Le second, c'est les intestins. Et l'émetteur le plus faible, c'est le cerveau. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez des détecteurs d'ondes électromagnétiques ici, là et là, ils réagiront. Toujours. Ce qui fait que chaque fois que vous rencontrez un autre être humain, ben, vous échangez ces ondes. Oui. Pas simplement, même si vous n'avez pas besoin de leur serrer la main. Hein. Oui, oui. Le simple fait qu'une personne rentre dans la pièce, son champ magnétique cardiaque est à une portée de 10 mètres. Oui, oui. Donc vous le sentez déjà à 10 mètres. Jusqu'à même sans 10 le toucher. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que des fois...
ça passe. C'est là, c'est le problème de phase dont on parlait ce matin. Ça, soit il y a ce qu'on appelle une cohérence de phase, soit vous êtes en opposition de phase et ça ne marche pas. Donc, quand on dit on ne sent pas quelqu'un, quand il y a une situation, une personne, ça peut se jouer physiquement à ce niveau-là. Voilà, donc notre drame qu'on a quand on veut parler des êtres vivants et des ondes électromagnétiques, c'est qu'on se place au cinquième niveau de cette pyramide et que, évidemment, si on la prend dans son ensemble, en fait, on aboutit à cette conclusion, c'est que la matière n'existe pas. Enfin, du moins, la matière est une illusion. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un grand mathématicien, Henri Poincaré, il a écrit ça en 1914, que la matière était une illusion. Et donc, voilà, c'est là où je vais pouvoir placer mon petit modèle. Ah oui, ça vaut le coup. Faut le montrer. Voilà. Alors ça, c'est une représentation, ça s'appelle la molécule d'éthylène. C2H4, elle est formée de 2 carbones, 4 hydrogènes, avec une double liaison, c'est les deux bâtons jaunes. Les chimistes, eux, vous l'écrivent de façon comme ça. Vous dites, c'est de la matière, 2 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Eh ben non, c'est ça. C'est-à-dire, vous retrouvez effectivement le carbone ici, le carbone là, vous retrouvez les 4 hydrogènes, mais regardez, tout le reste c'est quoi? Ben, c'est des ondes de matière, c'est des ondes de phase. Là, on représente la phase de façon concrète. Il y a la molécule, bien sûr, en tant que matière, mais aussi en tant qu'objet phasé. Et on voit qu'il y a des phases qui n'ont pas les mêmes couleurs, il y a une différence de phase entre dans la molécule, et c'est ça qui va donner toutes les propriétés chimiques. Donc c'est ça qui m'agace un peu quand on va parler de ces sujets-là, c'est qu'on va se focaliser sur la petite boule qui est là, la petite boule qui est là, la petite boule qui est là, la petite... et puis on oublie le reste. Ouais, mais le reste, c'est énorme. On ne voit pas les choses dans son ensemble. Voilà. Ouais, trop à la loupe. Donc on a ce petit problème. Alors, je l'ai mis sous une autre façon de le voir. Une théorie qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qui nous dit qu'il ne peut pas exister dans la nature une puissance supérieure, je crois que c'est 10 puissance 54 watts, dans leur limite de puissance. C'est-à-dire que l'énergie existe, mais on ne peut pas la dissiper à une certaine vitesse. C'est une vitesse limite qui est liée à la vitesse limite de la vitesse de la lumière et à la gravitation. Ça, c'est détaillé dans le bonus. Et ce que nous apprend donc la théorie de la relativité générale, c'est qu'il y a une substance qui en fait constitue la matière, qui s'appelle l'éther. Et ça, là aussi, c'est un peu malheureux, parce qu'il se trouve que c'est le même personnage, Albert Einstein, qui a, quand il était jeune, dit que l'éther n'existait pas. Puis comme il était jeune, qu'il n'avait pas tout compris, il a été obligé, quand il avait 10 ans plus tard, de dire « Oups, je me suis trompé, finalement l'éther existe ». Signe de qualité, de se remettre en question, hein, qualité du scientifique. Oui, mais maintenant, il nous a tous foutus dans la panade, parce qu'il a commencé par dire que l'éther n'existait pas, et puis finalement, il est revenu en disant que l'éther existe. Ce qui fait qu'il y a encore beaucoup de physiciens qui pensent que l'éther n'existe pas, parce qu'ils en restent à Einstein, sa première jeune. Oui. Einstein, vieux, lui, a dit qu'il existait. Mais ça, tout le monde l'oublie. Et cet éther, en fait, c'est du. Moi, je l'appelle aussi ce qu'on a vu ce que vous verrez dans le bonus, ça s'appelle aussi le vide quantique. C'est-à-dire que ça a une permittivité électrique, ça a une perméabilité magnétique, la vitesse de la lumière voit cet éther, c'est une substance. Et quand on va faire le calcul de combien on est constitué d'éther, puisque c'est une réalité, c'est la diapositive qui est issue. Alors là, c'est la vision vraiment ultime de ce qu'est un être vivant. J'ai pris un être, un humain, 70 kilos, hein. C'est une moyenne. Il y a des gens qui sont plus gros, il y a des gens qui sont plus petits. Eh bien, j'ai calculé combien il y avait de ce qu'on appelle de particules élémentaires dans un corps humain de 70 kilos, ça s'appelle des quarks. Bon, on passe sur les détails. Il se trouve qu'on connaît la masse des quarks, donc j'ai calculé la masse totale de matière, et j'ai trouvé que pour un homme de 70 kilos, cette masse totale de matière, c'était 800 grammes. Voilà. Donc dans 70 kilos de bonhomme, vous avez 800 grammes de matière. De quark, quoi, ce qui constitue les nucléons qui sont le siège de la masse. Et c'est là où vous voyez le problème, c'est que la masse, c'est une inertie spatiale, ça ne quantifie pas la quantité de matière. Donc,
Ça veut dire quand même que les, ben, entre 800 grammes et 70 kg, ça veut dire qu'il y a 69 kg 7,3 et 300 grammes qui ne sont pas de matière. Mais c'est quoi? Ben, c'est du vide. Ou, si vous préférez, si le mot vide vous gêne, c'est l'éther dont parle Albert Einstein dans sa relativité générale. C'est-à-dire que nous sommes faits à 89% d'éther et 1% de matière. Et là, alors là, ça devient vraiment intéressant, parce que ça veut dire que, au-delà de notre composition corporelle, si nous nous intéressons au monde non observable, c'est-à-dire celui qui se situe, qui existe, mais qui est en dessous des relations d'incertitude telles qu'on les discute dans le bonus, ce monde existe et nous constitue à 89%. Et évidemment, quand vous allez voir un opérateur de téléphonie mobile, et que lui va regarder que le 1% qui vous constitue. Je pense que vous voyez l'erreur. Cette expérience est cruciale pour moi parce qu'elle montre ce que c'est qu'on appelle la cohérence de phase. L'expérience de métronome. Oui. Mm-hmm. Parce que, comme je l'ai dit, puisque vous allez jusqu'au premier étage de la pyramide, il n'y a que deux choses, le nombre d'objets et la phase qui compte. C'est le problème de base de la nature. Combien j'ai d'objets, quelle est leur phase relative. Et l'expérience des métronomes, vous en prenez N, vous les mettez sur une plaque, vous les désynchronisez, c'est-à-dire que leurs phases sont complètement n'importe quoi. Et à partir du moment où ils partagent la même plaque, ils vont tous se phaser. Ça s'appelle la mise en cohérence. Et ce qui met en cohérence, c'est la plaque, évidemment. Alors évidemment, cette plaque, dans l'expérience des métronomes, c'est une plaque matérielle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une molécule d'eau, qui est faite d'éther, cette plaque, c'est l'éther. Parce que l'éther qui constitue la molécule d'eau, à 89%, c'est le même éther qui est sur Jupiter. Il n'y a pas de discontinuité dans l'éther. C'est le même. Et donc, comme cet éther est unique, lui, il peut vibrer qu'à une seule fréquence, avec une seule phase. Et, oui. Et c'est cette phase qui va être imposée à toutes les molécules d'eau. Quand vous faites les équations, vous obtenez ce qu'on appelle l'équation des domaines de cohérence, c'est-à-dire vous prenez l'éther qui est rempli de particules virtuelles électriques ou magnétiques, vous rajoutez une molécule de matière qui est elle-même de l'éther, mais un petit peu condensée pour faire H2O, et vous allez obtenir donc ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Quand vous prenez ça, il faut prendre à peu près 10 millions de molécules d'eau. C'est-à-dire que quand vous prenez en compte toute la pyramide de la connaissance, l'eau n'est pas H2O, mais c'est un ensemble de molécules d'eau qui partagent la même phase, et ce chiffre, cet ensemble peut être chiffré en nombre à 10 millions. Voilà. Ce qui fait que l'entité de base de l'eau, ce n'est pas H2O, mais cette entité, un bloc de 10 millions de molécules d'eau qui se comporte comme une seule molécule. Oui, mais oui, donc c'est fondamental. Ça. Voilà, parce que si vous ne prenez pas ça en compte, ben évidemment, vous allez dire, si vous oubliez toute la pyramide, vous allez dire, ben, l'eau c'est H2O, et si vous dites l'eau c'est H2O, ça peut n'avoir aucune des propriétés dont on va parler maintenant. Toutes les propriétés dont on va parler maintenant viennent du fait que le vide où l'éther existe nous constitue à 89% et que c'est ces 89% qui, inobservables, qui nous conditionnent notre vie observable. Voilà, donc ça, il vaut mieux le savoir. Donc ça, c'est le domaine de cohérence, c'est la base. Alors évidemment, la conséquence de tout ça, c'est que ben, on peut écrire sur l'eau et lire sur l'eau. Alors c'est comme dans un livre, en fait, l'eau. Sauf que c'est là où vous allez voir l'importance des graisses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un être humain, c'était de l'eau, des ions et du gras. La mayonnaise, on a bien en tête. La mayonnaise. Quand vous voyez la cellule, c'est en fait une bicouche lipidique. Oui. Et sur cette bicouche, vous avez des têtes polaires sur lesquelles vous hydratez. Mm-hmm. C'est cette eau-là que vous allez découper en petites cases de 10 millions par 10 millions, des blocs de 10 millions de molécules d'eau, puisque vous devez faire interagir votre eau avec l'éther de l'univers entier. Ça crée ces petits blocs de cohérence. Et ensuite, suivant que vous mettez une protéine ou pas, vous pouvez avoir de la cohérence ou pas de cohérence. D'accord. Ou dès que vous mettez quelque chose dans la membrane, ben, ça crée une incohérence. Si vous ne mettez pas quelque chose, l'eau peut garder sa cohérence. Quand l'eau garde sa cohérence, vous avez codé le bit 1. Quand l'eau a perdu sa cohérence, vous avez codé un bit 0. Et comme c'est sur 10 millions de molécules d'eau, et que vous calculez que combien il y a de blocs dans une cellule, j'ai fait le calcul, hein, il y a à peu près 13... 125 kilooctets, comme on dit 8 par 8, ça fait à peu près 1000 blocs par cellule. Et que vous prenez en compte le fait qu'un être humain s'est fait de 10 puissance 14 cellules. Oui. À 125 kilooctets par cellule.
ça vous fait une quantité de mémoire gigantesque. Hein. J'ai fait un calcul, ça fait des pétaoctets, 405 pétaoctets, c'est dans la diapositive de mémoire. Donc ça veut dire que cette notion de mémoire de l'eau est validée, scientifiquement. Et donc on peut mettre de l'information dans nos mémoires, dans nos couches d'hydratation, ouais, de la graisse qui nous constitue. Et à quoi sert une onde électromagnétique, à votre avis? Vous l'utilisez pour quoi? Créer des interactions. Non. Pour transmettre de l'information. Transmettre de l'information. Oui, dans les interactions, c'était les échanges que j'avais voilà. en tête. Donc vous, voyez comment ça fonctionne. Vous avez votre eau, qui est votre eau corporelle, qui est une mémoire gigantesque d'informations. Vous allez leur envoyer une onde électromagnétique qui, elle, est porteuse d'informations. Qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Ben, il va y avoir des interactions. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effacer certaines informations qui étaient dans la mémoire et en mettre des nouvelles à la place. Ces informations pourraient être, bien sûr, bénéfiques. C'est comme ça qu'on peut guérir des pathologies par des champs électromagnétiques. Parce qu'on remet des nouvelles informations, moins pathogènes. Mais elles peuvent aussi être pathogènes. C'est-à-dire qu'on a un corps qui est en bonne santé. Et on lui met des informations qui vont le faire dérailler. Vous voyez, on est au cœur du problème. On est au cœur, bien sûr. Au cœur du problème. Tout ça parce qu'on est fait d'éther. Bon, le spectre électromagnétique, je pense que tout le monde sait qu'il est très large. Ça va de ce qu'on appelle les radiofréquences aux rayons cosmiques. Donc ça, les rayons cosmiques, on les a vus dans le bonus. Là, on va s'intéresser, disons, à la partie infrarouge et basse fréquence. Parce que, enfin, tout ce qui est... Qui nous concerne avec tout ce qui est téléphonie. Ouais. Non, et puis l'infrarouge aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est éclairé par le soleil. Bien sûr, oui. Et que la Terre absorbe cette lumière jaune, visible, pour créer une lumière invisible, infrarouge à 10 microns, sur laquelle nous sommes exposés. Donc ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'êtres vivants, c'est l'infrarouge et tout ce qui est en dessous de l'infrarouge, c'est-à-dire les micro-ondes et aussi les ondes radio. Voilà, alors ça, c'est un diagramme qui est crucial, qui vous montre. On fait varier la longueur d'onde, donc du rayonnement qui éclaire l'eau, et on regarde comment l'eau répond. Donc l'eau, là, elle répond en absorbant de l'énergie. C'est le premier grand mécanisme. Vous envoyez une onde sur une matière, ben, elle absorbe cette onde, et ça lui permet d'avoir de l'énergie, de s'exciter. Donc quand vous regardez cette courbe, vous voyez que l'eau est une bonne absorbeuse. Ça absorbe quasiment partout. Il faut que plus la courbe est haute, évidemment, plus l'absorption est forte. Donc vous voyez une très forte absorption des rayons X, c'est pour ça qu'on peut faire des radiographies X et de la radiothérapie, parce qu'on tue les cellules avec ça. Vous voyez aussi une absorption très forte dans l'infrarouge et dans les micro-ondes. Et puis alors ça, c'est le miracle de l'eau, c'est qu'il y a un endroit, vous voyez, où ça s'est complètement effondré l'absorption. Oui, on voit bien sur la schéma. L'eau devient transparente, elle refuse d'absorber. Alors qu'elle est traversée par quelque chose. Ça s'appelle la lumière visible. Il se trouve que l'eau est transparente justement pour la lumière qu'on voit le soleil. C'est incroyable. Les choses sont bien faites. Parce qu'elle est opaque partout. Partout ailleurs, elle est opaque. Sauf pour cette lumière qui nous vient du soleil. C'est là où elle est impeccable. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite absorption. Elle mange un peu plus le rouge du soleil que le bleu. C'est pour ça que quand on regarde l'eau sous une grande épaisseur, elle est bleue, parce qu'il y a une partie du rouge qui est mangée. C'est pas tout à fait centré sur le minimum d'absorption. Donc ça, c'est la première chose. L'eau est là pour absorber l'énergie, sauf si c'est du visible. Ce qui nous intéresse, c'est la partie donc, qui est à droite. Parce que la partie qui est à gauche, c'est ce qu'on appelle les rayonnements ionisants. Ça, c'est intéressant, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc c'est tout ce qui est infrarouge et micro-ondes. Alors, on voit que là, il y a une très forte absorption. Dès que vous envoyez des micro-ondes ou de l'infrarouge sur de l'eau, donc sur un être vivant qui est fait d'eau, vous avez une très forte absorption. Donc les gens qui disent que les ondes électromagnétiques n'ont aucun effet, ils sont un peu... Il faut leur montrer ce schéma. Voilà. Et surtout, vous voyez que si c'est l'eau pure, on est protégé parce que ça s'effondre. La coefficient d'absorption redevient transparent à très, très grande longueur d'onde. Sauf si vous êtes dans l'eau de mer, s'il y a du sel dans l'eau.
voyez que dans le sel, dans l'eau, cette actualisation est beaucoup plus lente. C'est la courbe en pointillé. Oui. Oui, mais il y a quoi dans notre eau corporelle? Dans l'eau? Notre eau corporelle. Dans notre eau corporelle, oui. Il y a du sel aussi. Bien sûr. C'est-à-dire que suivant la façon dont votre eau corporelle est salée, vous réagissez de façon différente aux ondes. Donc ça, ça va vous expliquer quelque chose qui est assez important de le savoir. C'est qu'une même personne, une personne exposée à un même rayonnement électromagnétique, si vous prenez un groupe de N personnes et que vous exposez exactement au même rayonnement magnétique, vous n'aurez pas du tout les mêmes effets. Selon la composition. Parce que leur composition corporelle qui dépend de ce que vous mangez et de ce que vous buvez, peut être différente. Oui, oui. Donc ça modifie les champs électriques, ça modifie les champs magnétiques via les notions de permittivité et de perméabilité magnétique. Et donc ça veut dire que vous allez avoir des fréquences, des situations qui peuvent être pathogènes pour certaines personnes et parfaitement normales pour d'autres. Vous voyez la difficulté qu'il faut à gérer ça. Parce qu'évidemment, les gens qui sont malades vont dire « mais nous, on est malades ». Et les gens qui ne sont pas malades, ils disent « ouais, c'est psychosomatique ». Parce que moi, je ne suis pas malade. Et ouais, mais quand vous regardez le diagramme d'absorption de l'eau, vous comprenez le problème. C'est parce que les eaux corporelles n'ont pas la même composition chimique, n'ont pas la même quantité d'ions. Ça, c'est l'autre partie de... Parce que comme je vous ai dit, il y a toujours l'absorption et la phase. Ça, c'est l'eau, on regarde sous sa partie phase, et non plus sous sa partie énergie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Donc ça, c'est l'expérience que tout le monde a l'habitude de faire, qui est toujours assez scotchante. Vous prenez un bâton, vous le mettez dans l'eau, et vous voyez que le bâton, il est cassé. Le bâton se casse quand vous le mettez dans l'eau. En fait, non. C'est l'image du bâton qui est cassé. Parce que quand vous retirez le bâton de l'eau, il est toujours droit. Oui, oui. Mais quand vous le mettez dans l'eau, comme la vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'air que dans l'eau, l'image que vous avez de votre bâton est perturbée par ça et elle est cassée. C'est ce deuxième paramètre qui est la phase, qui permet de voir comment les conséquences de la phase. Donc là, on voit que c'est aussi assez intéressant. C'est-à-dire que c'est pas très intéressant, c'est plat. Lorsque vous êtes à très courte longueur d'onde, donc des choses qui sont de très haute énergie, rayonnement ionisant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Dès que vous arrivez dans l'ultraviolet et l'infrarouge, alors là, ça commence à être intéressant. Il y a un peu de dispersion dans le visible, c'est-à-dire que là, par contre, le visible interagit sur la phase de l'eau et pas simplement sur l'aspect énergétique. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à grande longueur d'onde. Parce que là, vous êtes dans les micro-ondes et dans les ondes radio. Oui. Et là, vous voyez que l'indice de réfraction, il grimpe en flèche. Donc là, ça veut dire qu'il y a de très, très gros effets. Oui, mais l'impact est puissant. Dans ce domaine de fréquence. Voilà, ça, c'est juste une illustration pour vous montrer ce qui se passe quand vous augmentez votre charge ionique. Donc là, on a pris de l'eau salée, hein, évidemment. Mais bon, en être humain, c'est ni au plus moins que de l'eau salée, en gros. Et vous voyez que quand on met du sel, ça fait chuter la constante diélectrique de l'eau. Et quand avoir le fait que ça fait chuter, ça veut dire que les lignes de champ se resserrent. Donc, vous avez, par rapport à un champ qui, lui, à l'extérieur, est relativement plat, dès qu'il rentre dans votre corps, il y a beaucoup plus de lignes de champ, donc beaucoup plus de force qui s'exerce. C'est pour ça que je recommande toujours aux gens de boire l'eau la moins minéralisée possible. Oui, le moins de résidus possible. Pour éliminer le maximum d'ions. Bien sûr, on en a besoin des ions, mais si on en a trop, c'est pas bon non plus. Hein. Et d'ailleurs, quand vous voyez la résistivité d'un centre cancéreux, vous voyez que la charge ionique est tellement forte que le mec il est pas en bonne santé. Hein. Oui. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est l'effet de l'infrarouge. Parce qu'il n'y a pas que les ondes électromagnétiques vont jusqu'à l'infrarouge. Donc ça, c'est des expériences de Gérald Pollack, qui est un chercheur à l'Université de Washington. Il a fait une très belle expérience, c'est que quand vous prenez une plaque un polymère que vous mettez dans l'eau, vous voyez apparaître ce qu'on appelle une zone d'exclusion. C'est-à-dire qu'il y a une zone où l'eau reste pure. Le polymère refuse d'aller dans cette eau. Et ce qu'il a montré qui est incroyable, c'est dès que vous éclairez avec du rayonnement infrarouge, pouf, cette zone d'exclusion augmente. C'est-à-dire que le polymère, la zone où le polymère devrait aller, d'après la physico-chimie, ben elle est encore plus grande. Eh bien, il faut savoir que le soleil, on est toujours soumis à ces infrarouges. Donc ça veut dire qu'on a ces couches d'hydratation, ces couches d'exclusion, que moi j'appelle l'eau morphogénique.
c'est un autre terme, qui sont faits de domaines de cohérence. Donc, ça veut dire qu'il y a de la super cohérence qu'on peut régler par l'infrarouge. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on fait en médecine non chimique, en médecine vibratoire, par exemple, ça s'appelle la moxibustion. Oui. Vous approchez un stick incandescent qui émet de l'infrarouge mmh. d'une personne et ça lui fait des choses. Ah oui. Là, on a mis des caméras infrarouges. On a mis des caméras infrarouges pour voir. Oui. Donc là, on voit le stick qui s'approche. Ah oui. Et on voit comment ça s'allume dans le bonhomme. Mmh. Alors qu'il n'y a pas de contact. Mais hein. oui. C'est juste de l'infrarouge qui fait s'allumer. Et alors, on voit qu'il y a des chemins de cohérence qui s'allument. Et ce qui est intéressant, c'est que ces chemins de cohérence suivent exactement les méridiens chinois. Oui, oui, en ayurvédique ou en médecine chinoise, ils utilisent les moxa complètement. Oui, voilà. Oui. Donc ça veut dire que ces chemins qu'on appelle les méridiens. Les méridiens, voilà, pardon. Bien sûr, ils sont immatériels, on ne les voit pas. Hein. Oui. C'est ça qui est... Parce qu'on est dans le monde des esprits, dans le monde en dessous des instituts quantiques. Donc on ne voit rien, mais... Ils existent. Ils sont présents. Les Chinois, ils ont compris ça depuis longtemps. Mm-mm. Évidemment, comme ils existent, on peut guérir avec. Alors ça, c'est une vidéo que j'aime bien. Elle nous montre, justement, dans le bonus, j'explique comment on crée des champs électriques et des champs magnétiques, c'est en faisant passer des courants électriques dans des bobines. Donc là, ce sont ces artistes qui ont pris les équations de Maxwell, qu'ils ont simulées. Ils ont mis des particules chargées pour qu'on voit les lignes de champ. Pardon, les lignes de champ qui nous entourent dès qu'on a des appareils électriques. Mmh. Donc ça, c'est on rend visible ce qui est invisible avec ces choses-là. Alors voilà, chaque fois que vous avez un fil électrique qui n'est pas bien blindé, voilà ce que vous voyez. C'est très beau, mais c'est ça pas... fait très mal. Ça veut dire que ça vous... si vous êtes près de ces choses-là, vous avez ces champs qui vous pénètrent c'est en permanence. C'est la diapositive qui est à droite. Mmh. Voilà, et puis vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Quand il y en a beaucoup, parce que là, bon, ça, c'est sur une table, hein, c'est pas bien méchant. Mais après, vous voyez, on va voir que ça peut se lever, et ça peut envahir toute la pièce. Oui, au sein même d'un appartement, pour peu qu'on vive en immeuble, par exemple, en étage, alors là, ça devient dramatique. Alors, ça, il faut savoir qu'il y a une solution très simple hein, contre ça, pour lutter contre ça. Vous voyez, ça se met de partout, hein. Sur les murs, dans les plafonds, vous vivez dans un brouillard électromagnétique. Mmh. Savoir qu'il y a un moyen très simple pour protéger ça. Ça s'appelle la mise à la terre. Oui. Et le blindage des câbles. Oui. Blindez vos câbles. Mmh. Et il n'y a plus de problème. Bon, évidemment, la mise à la terre, combien de gens vérifient qu'ils ont une bonne prise de terre avant d'aller voir le médecin? Je vous rappelle qu'avant d'aller voir un médecin, on vérifie sa prise de terre. Ça peut régler énormément de problèmes si la prise de terre n'est pas bonne. Il suffit de la mettre à la terre. Ensuite, on règle son eau de boisson, son alimentation. Si vraiment la maladie persiste, on va voir le médecin. Oui. Mais on ne va pas voir le médecin si on n'a pas réglé tous ces problèmes avant. Ce n'est pas un réflexe qu'on a, en fait, de penser à ce que ce soit la problématique, alors que ça peut l'être très régulièrement. Donc ici, c'est le point de vue officiel. Gouvernement, opérateur de téléphonie mobile, on vous expose. Là, on voit les années. Mm-hmm. Et puis on voit qu'avant les années 2000, on était très peu exposé. Très peu exposé. Mm-hmm. Puis après, on a inventé les transmissions sans fil par Wi-Fi et tout. Alors, oui. Ça explose. Ce qui est en vert, c'est le fameux 0,6 volts par mètre. Qui est le champ électrique maximal qui est décidé, on décide qu'il vaut mieux être en dessous. Mm-hmm. Mais ce qu'on oublie dans ces choses-là, c'est que ça, c'est une norme technique. Et les normes techniques sont faites pour vendre du matériel, elles ne sont pas faites pour être en bonne santé. Mm. Donc cette norme, c'est juste pour qu'on puisse utiliser du matériel électrique. Oui. Ensuite, les deux grandes classifications que font les opérateurs et les pouvoirs publics, ils disent qu'il y a des ondes sans effet thermique. Donc vous avez les bandes de fréquences qui sont concernées, les exemples, on ne va pas les détailler ici, et vous avez les ondes à effet thermique. C'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement au quatrième étage de notre pyramide, entropie, chaleur. On oublie tout ce qui est du domaine de la phase.
Et justement, si vous pensez bien que ce qu'on appelle les ondes sans effet thermique, bien sûr qu'elles n'ont pas d'effet thermique au quatrième niveau. Mais si vous montez dans les autres niveaux, et surtout au premier, vous êtes dans la phase, et là, vous avez des effets, on va le voir. Alors ça, c'est juste pour que les gens puissent quand même y comprendre un petit peu quelque chose. On a deux paramètres, donc là, je parle toujours du point de vue opérateur, hein. Pas du point de vue... Là, on est quatrième étage de la pyramide, entropie-chaleur. Donc, des champs, que font les champs basse fréquence, en fait, c'est la loi de Faraday. C'est-à-dire que vous envoyez des champs basse fréquence, vous avez des courants électriques qui vous circulent. Bon, comme ça. Vous êtes fait d'eau et d'ion, donc on envoie un champ, ça fait que ça conduit le courant. Oui. Vous êtes venu on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Donc là, vous avez les relations, pour ceux que ça intéresse, c'est la loi de Faraday, elle est bien connue. Et donc, ça veut dire que quand vous êtes irradié par des fréquences Wi-Fi, c'est typiquement du milliampère par mètre carré, ça va jusqu'à 2 milliampères par mètre carré. Et vous avez à gauche les normes, toujours techniques. Oui. On ne sait pas très bien comment elles sont déterminées, oui. Sûrement sur des mannequins qui contiennent de l'eau salée, en gros. Donc, ce qui est très bien pour tous les effets thermiques. Hein. Mais par contre, pour le reste, je doute que ce soit très efficace. Et puis à droite, vous avez donc les champs haute fréquence, qui eux entraînent des effets thermiques, c'est-à-dire ça chauffe, vous le voyez très bien par exemple, quand vous avez votre téléphone portable et qu'il se met à réceptionner ou à émettre, il chauffe. Oui, oui, il peut chauffer, oui. Donc ça, c'est parce que c'est la porteuse qui fait ça. Donc là, c'est la notion de débit d'absorption spécifique, ce qu'on appelle le fameux DAS, qui se calcule assez facilement, ça dépend de la conductivité électrique de votre eau, du carré du champ électrique et de la densité, donc ça c'est les données qu'on a, et toujours pareil, les pouvoirs publics recommandent de ne pas dépasser 2 watts par kilo. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de 2 watts par kilo, ça commence à chauffer vraiment. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des écarts de température dans votre corps. Alors qu'en dessous de 2 watts kilo, par rapport à la température ambiante, ça ne se voit pas. Mmh. Voilà. Donc ici, je vous donne toutes les relations, donc les gens qui sont intéressants, s'ils pourront calculer, par exemple, à quelle fréquence, combien de temps il faut pour commencer à chauffer, c'est lorsqu'on est soumis à une certaine fréquence. Par exemple, ici, la téléphonie mobile, on a des DAS qui sont en général compris entre 0,4 et 1 watt par kilo, et des temps qui sont entre 1 et 2 heures. Alors ça, c'est important de le savoir, 1 à 2 heures. C'est-à-dire que tant que vous restez en dessous de 2 heures de téléphonie mobile, hein, oui, oui. Ça chauffe, mais bon, c'est tolérable. Mm-hmm. Par contre, si vous parler souvent au téléphone avec pas 8 heures, là vous allez avoir des dégâts. Alors c'est vrai que les oreillettes divisent le DAS par un facteur 8 à 20, suivant la qualité des oreillettes. Mm-hmm. Et là ça veut dire que pour chauffer, il faudra attendre au moins 8 heures ou 40 heures, mm-hmm. suivant la fiabilité du réseau. Donc ça c'est juste pour dire si vous pouvez mettre des oreillettes avec votre téléphone. Mm. Et le haut-parleur avec le téléphone un peu à longueur de bras ? Par rapport aux oreillettes, c'est le même impact. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non, mais là c'est une autre donnée, effectivement. Excusez-moi, c'est la diapositive suivante, vous avez raison. Parfait, ça fait un lien. J'ai une source, je me situe à une certaine distance de cette source, à combien je dois être. Donc là, vous voyez, le DAS est de 1 milliwatt par kilo à 2 mètres du téléphone. Oui. Bon, on n'a pas des bras qui font 2 mètres, mais... ce qui veut dire que ça vous donne un ordre de grandeur. Ça donne, exactement. De la même façon, si c'est une antenne relais, parce qu'une antenne relais est beaucoup plus puissante, là, la distance de sécurité, c'est 190 mètres. Voilà, il faut être à plus de 190 mètres de l'antenne pour ne pas avoir ces effets thermiques. D'accord. Pour le téléphone portable, il faut être à 2 mètres. D'accord. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 2 mètres, vous avez des effets thermiques. Oui. Qui sont induits en des temps qui sont, surtout si vous êtes resté longtemps exposé. Là, on pense aux personnes qui mettent leur téléphone à charger la nuit, par exemple. Qui mettent les téléphones à côté de leur, de leur table de nuit, qui laissent le Wi-Fi allumé, qui ne l'éteignent pas. Et c'est pour ça que je maudis les opérateurs de téléphonie mobile. C'est compliqué d'éteindre un Wi-Fi alors que ça devrait être une mesure sanitaire. On va se coucher, on éteint, quoi. Ça, je vous dis, ça, c'est les points de vue officiels où on se place au dernier étage de la pyramide. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà, donc maintenant, je vais passer à des choses plus
conflictuel. Parce que là, je vous ai présenté le point de vue officiel. Mm-hmm. On se préoccupe des effets thermiques. C'est-à-dire qu'on oublie tout ce qui est du domaine des phases, de l'information, modulation, de ce qu'amène en fait l'onde électromagnétique. On ne s'intéresse qu'à la porteuse. Mais cette porteuse, elle est modulée. Parce qu'elle porte de l'information. Et c'est la modulation qui on va le voir, est toxique. Ce qui fait qu'en fait, c'est un peu contre-intuitif. Et c'est tellement contre-intuitif que si on était vraiment honnête, il faudrait arrêter d'utiliser les téléphones mobiles. Oui, on est arrivé voilà. À un stade où on voilà. En est quand même assez alors, dépendant. Regardez ces courbes. Elles ont été publiées en 1997, c'est-à-dire elles sont connues depuis plus de 20 ans. Hein. Ce n'est pas du scoop, vous parlez. On a pris, à gauche, vous avez un DAS de 1 à un DAS d'un téléphone normal. Et on regarde des rats qui sont exposés à une fréquence de 915 MHz avec ou sans modulation. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a 55% des rats qui ont des problèmes avec la porteuse non modulée. Par contre, s'il n'y a pas de modulation, l'effet n'est pas significatif. Il y a des variations, mais il y a les fameuses barres d'erreur qui nous permettent de dire pas d'effet. Maintenant, au lieu d'augmenter le DAS, baissons le DAS. C'est-à-dire, protégeons-nous des effets thermiques. Mm-hmm. Là, ça devient intéressant. C'est que maintenant, il n'y a plus d'effet significatif pour la porteuse non modulée. C'est normal, puisqu'on a baissé le DAS. Donc, elle est moins toxique. Mais par contre, on trouve des effets toxiques sur la modulation qui sont à 50 et 217 Hz. Et quand on regarde en global, c'est significatif qu'il y a un effet. Alors que j'ai baissé le DAS. C'est-à-dire que quand j'avais pas le DAS, quand j'avais un DAS élevé, je n'avais pas d'effet. Mm-hmm. Et on retrouve notre beurre intrangeant du beurre. Toujours. Oui, toujours. C'est comme ça que fonctionne la nature. Mm. C'est-à-dire que quand vous avez un fort DAS, peu importe que vous modulez ou pas. Mais dès que vous baissez le DAS, la pathologie se porte sur la modulation au lieu d'être sur la porteuse. Et les deux dernières courbes sont encore plus effrayantes. C'est qu'on a baissé le DAS à 10-2 et jusqu'à 10-4. C'est-à-dire des téléphones qui seraient considérés par les opérateurs mobiles comme du top de gamme, parce qu'ils ont un DAS extrêmement faible. Alors là, vous avez de la pathologie partout. Et surtout lorsque vous êtes avec un très faible DAS, vous êtes toxique à 8, 50, 210 Hz, que vous soyez, alors pas la porteuse modulée évidemment, mais tout ce qui est modulation est toxique. Donc vous voyez le problème, c'est qu'on a une toxicité, enfin on a un effet thermique avec le DAS, mais une toxicité qui vient de la modulation, surtout si le DAS est faible. Ça, c'est un signal typique qui sort d'une antenne relais pour vous montrer, justement, vous voyez, on voit bien ces hautes fréquences qui font que ça monte, ça descend très vite. Mais regardez, vous voyez très bien cette modulation basse fréquence, et c'est elle qui est toxique. Et c'est ça qui est vicieux dans ce système d'ondes électromagnétiques, c'est que plus c'est de basse fréquence, plus c'est toxique. Oui. Alors que c'est là où il y a le moins d'effet thermique. Oui, oui, oui. Si on voulait faire des normes biologiques et non pas des normes techniques, il faudrait en fait prendre des gros DAS et pas des petits. Oui. Oui, oui. Mais à ce moment-là, on aurait des effets thermiques. On cuirait le cerveau des champs. Toxique dans les deux cas. Donc le meilleur, c'est de ne pas avoir de téléphone du tout. D'en revenir au bon vieux téléphone. Non, je sais, mais ça, bon. Après, on va vous expliquer, comment on peut s'en sortir. Oui, il y a des techniques. On voit bien qu'on a toujours ce beurre, l'argent du beurre, qui est toujours là. Et quelle que soit l'échelle, il se manifeste toujours. Il y a toujours des choses qu'on peut avoir. Et si on a des choses, on aura d'autres qu'on ne pourra pas avoir. Donc là, on a cette incertitude, cette balance entre le DAS et la toxicité de la modulation. Sachant que tout ça, ça ne prend pas en compte deux choses. La polarisation des ondes artificielles, elles sont polarisées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir plein de phases différentes, elles sont toutes relativement bien phasées. Et puis aussi, l'effet de la constante diélectrique. Suivant ce que je mange, suivant ce que je bois, je vais être plus ou moins sensible ou
pas sensible à ça. Mmh. Alors maintenant, comment on peut expliquer cette toxicité à basse fréquence? Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Hein. S'il n'y avait pas cette toxicité à basse fréquence, on pourrait utiliser le Wi-Fi, les téléphones sans problème. Première chose qu'on a découverte, ça c'était dans les années 2016, c'est très récent, hein, qu'on a une protéine magnétique dans le cerveau. Les pigeons l'ont, les papillons, mais nous aussi. Ça explique comment certaines personnes peuvent s'orienter dans le champ magnétique terrestre. Vous savez, il y a des gens, ils nous disent « j'ai le sens de l'orientation ». Oui. Voilà, et bien, il faut savoir qu'on a découvert la fameuse protéine, le complexe CRI-MAG-R. Oui. Ce sont deux protéines qui, lorsqu'elles s'assemblent, nous donnent une sensibilité au champ magnétique. Et donc, ça veut dire qu'on est naturellement sensible au champ magnétique. Donc ça, on le sait. On voit qu'on appelle ça les chromatogrammes pour différentes mm-hmm. espèces. Et on voit très bien que l'homme a cette protéine, ouais. qu'on connaît très bien, qu'on sait isoler, caractériser. Donc ça veut dire que toute onde porte évidemment un champ magnétique, qui est différent du champ magnétique terrestre, donc va nous influencer via cette protéine CRI-MAG-R, et que ce n'est pas des effets thermiques là, dont on parle. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle les effets non thermiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les jonctions serrées. Non, les jonctions serrées, c'est fondamental en biologie. C'est que vous êtes fait d'eau, et pas simplement d'eau corporelle, vous avez fait de l'eau qui circule, ça s'appelle le sang. Et en fait, le sang est utilisé comme milieu pour évacuer la chaleur, mais aussi pour évacuer les déchets ou amener l'oxygène. Donc c'est fondamental que ces tuyaux, que sont les veines et les artères, ne soient pas fuyards. D'où les jonctions serrées. On serre des jonctions pour être sûr que tout ça est étanche et qu'il n'y ait que le sang, l'oxygène, le CO2 qui passent dans les tuyaux. Et pas le McDo, les déchets du McDo que vous avez avalé. Sauf que, ça c'est des expériences qui ont été faites en 2003, qui montrent que lorsque vous êtes exposé à des champs électromagnétiques, là c'est 915 MHz, donc de téléphonie mobile, ben, les barrières se relâchent. Les jonctions ne sont plus serrées. Alors c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que si vous n'avez que des jonctions serrées, et qui sont vraiment serrées, à ce moment-là, le système immunitaire ne pourra plus travailler. Oui. Parce que, comment fait un globule blanc, qui est en fait l'agent, le gendarme de la cellule, c'est mm-hmm. le globule blanc, oui. Il doit se déplacer dans tout le corps pour rechercher les bactéries. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien, quand il arrive sur une jonction serrée, il sécrète une substance pour que la jonction s'ouvre, mm-hmm. ce qui lui permet de passer, et après il referme la jonction. Donc si vous voulez avoir un système immunitaire qui marche, il faut que les jonctions puissent être ouvertes et fermées. Mm-hmm. Ouais, mais si un globule blanc peut faire ça, une onde électromagnétique peut la faire aussi. Mm-hmm. Et c'est ça le, c'est tout le problème. Qu'on met en évidence, mm-hmm. c'est que cette téléphonie mobile, elle ouvre les jonctions, elle les relâche, comme ferait un globule blanc. Ce qui fait que tout ce qui circule dans votre sang, si vous avez une alimentation qui n'est pas terrible, ben vous allez, on le voit très bien ici, par exemple, il y a de l'albumine, oui. on voit la jonction, la barrière, c'est la ligne violette, et puis la partie légèrement jaunâtre, c'est de l'albumine qui, au lieu de rester dans le sang, oui, entre dans le milieu rentre interne. Là où elle ne devrait pas aller. Mmh, et si l'albumine passe, une bactérie peut passer. Oui. Donc c'est pour ça que dès que vous êtes malade, la première chose à faire, c'est d'arrêter la téléphonie mobile. Parce que vos jonctions sont desserrés, et si vous êtes infecté, vous allez avoir des tas de problèmes infectieux. Le virus ou la bactérie va pouvoir se multiplier, les jonctions sont desserrées, vont pouvoir passer, toutes les toxines de ce que vous mangez vont pouvoir passer. Donc dès qu'on est malade, régime, on doit avoir vraiment une nourriture au niveau du top, et surtout pas d'exposition à ces ondes électromagnétiques. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est toujours non thermique, hein, là on est dans le non thermique, c'est ce qu'on appelle les canaux calciques. Des canaux ioniques, il y en a plein dans notre corps. On peut faire passer du sodium, on peut passer du potassium, on peut passer du calcium, on peut passer du chlore, on peut faire passer du glycérol, on peut faire passer de l'eau, parce que les membranes sont étanches, ces choses-là. Donc il y a ces fameux canaux qui ont, comme tous les canaux, peuvent être ouverts ou fermés. Et donc, quand il n'y a pas d'onde électromagnétique, ces canaux, ils s'ouvrent et ils se ferment en fonction de transmetteurs chimiques
On sécrète des molécules qui font que le canal s'ouvre ou le canal se ferme. Sauf que n'oubliez pas qu'en physique quantique, une molécule n'existe pas. C'est un spectre de fréquence, en fait. Si vous remontez la pyramide, la molécule n'existe pas. À la base, c'est un spectre de fréquence. Je vous ai par exemple montré l'eau comme spectre de fréquence, ça n'a rien à voir avec l'eau. Et donc s'il y a une des fréquences qui correspond à une fréquence de résonance de votre récepteur, elle va s'ouvrir ou se fermer. Et c'est ce qui se passe quand vous envoyez une onde électromagnétique, elle a une certaine fréquence. Si dans la modulation de la porteuse, il y a une fréquence qui correspond à l'ouverture d'un canal calcique, ben, le canal va s'ouvrir, alors qu'il devrait rester fermé. Ouais. Donc là, on a ces problèmes de canaux calciques qui s'ouvrent ou se ferment de façon complètement non contrôlée. Donc ça, on l'a simulé en laboratoire, pas avec des cellules, mais avec ce qu'on appelle des vésicules, qui sont des objets synthétiques, où on peut insérer dans ces vésicules des canaux calciques, tels qu'ils sont dans les vraies cellules. Sauf que comme on est au laboratoire, on peut travailler beaucoup plus facilement pour faire les dosages, pour voir les effets. Donc là, on voit très bien les effets, hein. Et là, on parle bien d'effets non thermiques, qui sont liés à des problèmes d'information, de fréquence, de phase, bien sûr. Parce que, je répète, pour que le canal s'ouvre, il ne suffit pas d'avoir la bonne fréquence, il faut aussi qu'il y ait une cohérence de phase. Si on est en opposition de phase ou en quadrature de phase, il ne s'ouvrira pas. Si on est en opposition de phase, il se fermera. Donc, de nouveau, on voit l'importance de la phase ici. Donc ça, c'est un autre cas de toxicité. Alors, on ne va pas passer en revue tous les effets, parce qu'il y en a plein. Je les ai regroupés sur une diapo. Là, comme oui, ça. On les a... Voilà, expression des gènes, synthèse des protéines, stress oxydant, production de radicaux libres, modification de l'ADN, induction de l'apoptose, développement de cancer, effet immunologique sur le système immunitaire, perturbation du système nerveux, perturbation du développement, perturbation de la reproduction, perturbation de l'audition, perturbation du système oculaire, perturbation du système cardiovasculaire et perturbation du sommeil. Tout ça, c'est scientifiquement démontré par des tas d'études, et il y a des tas de raisons de croire que non seulement c'est des études où les gens ne se posent pas la question de comment ça marche, ils font juste des mesures, et puis ils voient si ça marche, si ça a un effet ou pas. Là maintenant, on sait, c'est les canaux calciques, c'est la barrière hématoencéphalique, c'est l'ADN, bien sûr, est hydraté, donc il a des fréquences caractéristiques de résonance, en plus il est entouré de magnésium, comme ça. Non mais tout ça est aujourd'hui prouvé, l'impact sur la biologie, sur le corps. Nier qu'il y ait des effets non thermiques, c'est stupide. D'un autre côté, si on est vraiment sérieux, la seule solution c'est d'arrêter tout ça. C'est-à-dire on oublie les téléphones portables, on revient à l'âge de pierre. Enfin, pas à l'âge de pierre, on revient au téléphone avec fil, et à tout câblé, avec câble blindé, et là on n'aura plus de problème. Par contre, il y a peut-être un truc qu'on peut faire, c'est se protéger. Alors, là, il y a des solutions. Là, il y a peut-être des solutions, voilà. La toxicité des basses fréquences, donc elle vient du fait qu'on mélange deux choses, en fait. On mélange le traitement de l'information que fait la cellule de façon naturelle, avec cette information additionnelle qui est apportée par la modulation d'une porteuse. La cellule, elle ne se fait pas faire la différence. Donc elle a deux types d'informations, l'information dont elle a l'habitude de travailler, et puis l'information externe qui se rajoute et qu'il faut qu'elle traite. Et vous avez la fameuse petite courbe ici qui vous montre que la vie, c'est un chapeau chinois, c'est-à-dire qu'il faut de l'information et de l'entropie pour vivre, mais si vous en avez trop, c'est pas bon. Il y a un optimum à avoir. Toujours la dose qui fait le poison, voilà. Finalement. Et donc, c'est ça le problème des ondes électromagnétiques, c'est qu'elles apportent de l'information et que cette information est toxique. Elle peut s'avérer toxique, et il y a tout ce traitement qui part de l'information pour produire de l'exformation, qui est traduit soit sous forme d'entropie, soit sous forme de chaleur. Et tout ça, il faudrait en prendre en compte. Mais c'est assez compliqué. Donc l'idée, c'est peut-être plutôt de se protéger que d'essayer de rentrer dans tous ces détails. Alors, pour se protéger, on va utiliser un phénomène qui est connu depuis 40 ans, quand même. Donc belle expérience dessus. Pardon ?
Une belle expérience dessus, 40 ans, il y a quand même de quoi déjà expérimenter le processus. Et c'est un truc qui est dingue, complètement contre-intuitif. Parce que nous vivons dans un monde de matière. Et dans un monde de matière, c'est plus avec plus, ça fait encore plus. Alors que là, dans un monde de phase, si on travaille dans le domaine virtuel, en dessous des incertitudes quantiques, on va rajouter de l'ignorance à l'ignorance et on va faire du savoir. C'est magique, ça s'appelle la résonance stochastique. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous avez un signal qui est indétectable. C'est la petite otule, l'ondulation sinusoïdale. Pourquoi il est indétectable? Parce que son intensité est trop faible, il est tout petit, par rapport à un bruit qui, lui, a une densité beaucoup plus forte. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter du bruit. Il y a du bruit qui empêche de voir le signal. Donc, l'idée naturelle, c'est de réduire ce bruit. Parce que si je réduis le bruit, l'intensité du bruit, je vais faire apparaître le signal. Eh bien non, on va rajouter du bruit. Il y a du bruit et je rajoute une couche. Et le signal va réapparaître. Alors que je rajoute du bruit. Pour vous montrer de façon plus explicite ce que c'est, vous voyez l'image à gauche. Qu'est-ce que vous voyez? L'image à gauche, noire, avec des petits points blancs. On voit qu'il y a quelques vagues points blancs. Ouais. Mais si je vous demande de me dire ce que c'est... C'est difficile. Voilà. Ouais. Donc je prends cette image, je rajoute n'importe quoi. Là, je rajoute ça. À côté, oui. Donc on voit un contraste, un effet de contraste. Mais donc, ça, c'est du bruit. C'est du bruit, oui. C'est du bruit que je rajoute. En image. Et regardez ce qui apparaît quand je fais l'addition. Eh oui. Il y a une structure qui se révèle. Et après, je vous mets l'image originale, non bruitée. On ne l'aura jamais, bien sûr. C'est pas en jouant du bruit, vous n'aurez jamais l'image de droite. Mais par contre, vous aurez l'image du milieu qui vous permet de voir que c'est quelqu'un qui a un photographe, un appareil photo avec un pied qui est en train de prendre une photo. Ça, c'est quand même une certaine information que vous ne voyez pas avant. Parce qu'elle était trop faible. Vous avez un autre exemple, ça c'est beaucoup plus concret, c'est la police scientifique. Ils cherchent des empreintes. Alors, vous savez qu'il faut mettre des gants quand vous faites des crimes, parce que sinon, vous avez c'est gras, donc paf, après il y a un policier avec son pinceau, et hop, il relève une empreinte. Mais le problème, c'est que souvent l'empreinte, elle est difficilement déchiffrable, parce que vous n'avez pas appuyé assez fort. Quand on voit un empreinte au poste, là, quand vous faites un vol ou une infraction, si vous laissez vos empreintes, elles sont en général très peu décelables. Eh bien, vous prenez l'image, c'est le petite vidéo que vous voyez. Au départ, vous n'avez rien, quoi, très peu de contraste. Alors, on rajoute du bruit. Et là, l'empreinte apparaît complètement. Donc voilà. Ah oui. Comment, voilà. En rajoutant de l'ignorance à de l'ignorance, on fait du savoir. Ça s'appelle la résonance stochastique. Et ce qui est incroyable, c'est que ça va nous apprendre qu'en fait, la vie utilise ça tout le temps. Et qu'il ne peut pas y avoir de vie sans bruit. Ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais jeune. C'est qu'il y a deux types d'endroits dans la vie. C'est les endroits où vous allez, où règne un silence de mort. Et il n'y a pas de bruit, en général. Mais dès que vous allez dans un endroit qui est vraiment vivant, un bar, une place publique, il y a du bruit. Donc, il y a toujours une relation entre le fait de vivre et de faire du bruit. Oui. Et voilà, vous avez l'explication. Oui. Que ce bruit, on monte le niveau de bruit pour pouvoir vivre, en fait. C'est assez intéressant de voir le bruit de son côté positif et pas de son côté négatif. Il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a plus de bruit, je ne peux plus dormir. » Enfin, il y a trop de bruit, je ne peux plus dormir. Oui. Et ça explique aussi un truc qui est assez intéressant dans les restaurants. Plus il y a de bruit, plus le serveur arrive à prendre les commandes. Ah oui. Quand il y a peu de bruit dans le restaurant, le serveur souvent vous fait répéter. Ah oui. Par contre, si le restaurant est très bruyant, il entend parfaitement. Parce qu'il utilise la résonance stochastique. Il utilise le bruit monte, et comme le bruit monte, il comprend mieux ce que dit la personne. Ah oui. D'où l'idée de se dire, si nous fonctionnons grâce à la résistance stochastique, c'est pas forcément une mauvaise chose de rajouter du bruit électromagnétique. Si on reste dans l'optimum, on va retrouver un système qui est bon, tout en étant plus exposé. Donc ça, vous voyez, c'est le côté positif
Et là, on est très loin du DAS. Hein. Parce qu'il y a des gens qui diraient au contraire, non, et ça fait plus de DAS, donc on ne fait pas. Alors, quels sont les indices qu'on est souvent, qu'on est conditionné par résonance stochastique, nous, en tant qu'être humain? Tout simplement parce que la Terre, c'est un bordel de fréquences, hein, la Terre. Ça s'appelle les résonances Schumann. Oui. C'est dû aux orages qui sont en permanence. Et il y a des diagrammes d'interférence qui se créent, des ondes électromagnétiques qui sont en interférence et qui donnent donc ces fameuses résonances Schumann. Donc depuis que la vie existe sur Terre, on baigne dans ce brouillard électromagnétique. Sans compter tous les rayons cosmiques qui s'y rajoutent. Donc l'idée, c'est de se dire, on a toujours vécu dans cet environnement. Ce que font les ondes électromagnétiques, c'est finalement nous rajouter du bruit. Donc si on est au début de la courbe, c'est une catastrophe. Mais si on arrive à en mettre suffisamment, on va récupérer quelque chose de pertinent. Voilà, c'est là où arrive donc un système. Les solutions. Pourquoi lui ? Parce que c'est la seule société, à ma connaissance, qui a fait l'effort de faire une démarche scientifique. Oui, ils se sont appuyés sur des études, sur des faits concrets. Ils se sont appuyés sur la théorie que l'eau a une mémoire et qu'on est fait d'éther, de vie, donc ils ont pris la théorie. Ils ont mis la théorie dans un boîtier, dans une solution saline qui est encapsulée dans ces fameux boîtiers CMO. Et ensuite, ils ont fait des expériences de biologie pour montrer que c'était efficace. Il y a une démarche scientifique derrière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces braves gens? Donc, c'est une technologie, déjà, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. C'est basé sur la mémoire de l'eau. C'est-à-dire, on va jouer sur le fait qu'on peut, dans une eau morphogénique, dont j'insiste bien, on ne parle pas d'eau pure, on parle d'une eau qui contient de la graisse, des ions, et peut-être, si on peut remplacer la graisse par des bulles d'air. Parce qu'en fait, les bulles d'air jouent le même rôle, il faut avoir une interface. L'avantage des bulles d'air, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre de gras. Le gras, ça a juste un avantage, c'est que ça permet de faire des cellules solides. Oui, oui. Alors que les bulles d'air permettent de travailler sur l'eau liquide. Mais on a les mêmes phénomènes. D'accord. Voilà. Donc il faut une eau morphogénique et pas une eau pure, donc convenablement salée et aérée, d'où le fait qu'on agite toujours dans ces procédés. Il faut toujours agiter parce que ça permet de faire rentrer de l'air. Et plus il y a d'air, plus l'eau morphogénique peut avoir une bonne mémoire. Ensuite, on a vu, ça c'est la théorie, ils sont au courant de cette société, que ça crée des domaines de cohérence, et que ces domaines de cohérence vont mémoriser de l'information qu'on met au moment de la préparation. Voilà. Et puis ensuite, on va utiliser les résonances Schumann de la Terre pour que cette solution informée émette en permanence un signal très faible. Il a été mesuré, hein, il est de 150 femtotesla. C'est un tout petit champ. Mais que 150 femtotesla, c'est quasiment le signal qu'émet votre cerveau. Hein. Donc ça a beau être tout petit, c'est quand même quelque chose qui peut être significatif sur un plan biologique. Et surtout, on va utiliser le fait qu'il y a du bruit électromagnétique naturel pour que ce petit signal soit amplifié par résonance stochastique. Et à ce moment-là, on amène une information qui dit à la cellule... ok, tu es dans un environnement où il y a beaucoup d'ondes, mais reste centré sur ce qui te, sur ce que tu fais, ne prends pas en compte toutes ces perturbations, parce qu'on peut écrire dans l'eau les fréquences que la cellule doit ignorer. Donc, telle fréquence, tu n'en prends pas en compte, telle fréquence, telle fréquence, telle fréquence. Et bon, en fait, ce qu'on met, c'est les porteuses, hein, tous les types de porteuses qui sont là. Voilà, donc ça, c'est le principe. On a une théorie, et on a... Suite à cette théorie, on crée un dispositif. Alors évidemment, il y a des gens, quand on leur parle de mémoire de l'eau, ils lèvent les bras au ciel en disant « Oh là là, arnaque, il y a eu l'histoire benveniste, on a dit que tout ça c'était de la charlatanerie. Donc là, pour que les choses soient claires, moi je me base sur un grand scientifique qui est Brian Josephson, qui est prix Nobel de physique 73, donc il n'est pas médecin. Ni biologiste, il sait de quoi il parle, c'est grâce à lui qu'on a tous les transistors à effet de champ. Donc ceux qui ont permis de faire la téléphonie, justement, c'est grâce à lui, d'accord, à ses travaux. Et lui, il pose le problème très bien dans la préface du livre de Jacques Benveniste, Ma vérité sur la mémoire de l'eau. Il dit en fait, c'est pas un problème, l'eau a une mémoire. On peut faire des tas de théories, d'ailleurs, j'en ai fait une. Il le dit, c'est possible. Par contre,
qui est problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent que ces théories existent. Il le dit, les scientifiques qui ne sont pas érudits en matière d'eau, les scientifiques bien informés au sujet de l'eau, et les scientifiques bien informés admettent l'importance de la structure de l'eau. C'est-à-dire que votre problème, si vous ne croyez pas à la mémoire de l'eau, c'est que vous n'avez pas lu les bons papiers. Oui. Et ces bons papiers, ce n'est pas les expériences de Jacques Benveniste qui, effectivement, peuvent prêter à critique. C'est des papiers de physique théorique qui vous expliquent que nous vivons dans un monde où on est gouverné par les phases et par les nombres d'objets, et pas par les masses, ni les énergies, ni les champs électromagnétiques. Mmh. Donc voilà, c'est ces papiers-là qu'il faut lire, qui traitent de physique quantique des champs, qui traitent de relativité générale. Et là, si vous allez à ce niveau de compréhension, vous verrez qu'on peut faire des modèles de mémoire de l'eau. Et que ces modèles n'ont rien de... Ils sont scientifiques. Donc l'idée de mettre une information dans l'eau n'est pas idiote. Je dirais même qu'elle est très intelligente. Alors ça, c'est un petit bout de film que j'aime bien mettre pour montrer que ce concept de mémoire de l'eau, s'il est refusé par les scientifiques, il est validé par Walt Disney. Puisque dans La Reine des Neiges 2, ah oui, on a une séquence où la princesse utilise des gouttes d'eau pour savoir comment récupérer l'information de comment les parents sont morts. Alors si même Disney commence à en parler, elle a vraiment... Il faut savoir que Disney, c'est quand même, dès qu'il fait quelque chose, c'est 1 milliard de spectateurs. Oui. Ça veut dire que quand il met quelque chose dans ses films, si c'est un truc qui est louche comme la mémoire de l'eau, il ne va pas s'y amuser. Si par contre il le met, c'est qu'il a peut-être lu les bons papiers. Oui. Ils sont bien informés. Ils sont bien informés. Oui. Comme disait Jefferson. Et puis il y a même là le petit bonhomme de neige, là, comment il s'appelle, Olaf. Olaf. Il le dit. Beaucoup le contestent, mais c'est vrai. Non mais il rajoute. Ah mais si Olaf a aussi la bonne parole. Si Olaf nous dit que la mémoire de l'eau existe. Moi, je vous dis, puis parce que moi, on a toute la théorie, hein, donc c'est bon. Si vous avez encore des problèmes avec ça, ben, c'est que vous êtes irrécupérable. Bon, nous, on n'a plus de problèmes avec ça, on a bien compris. Donc, on a évidemment les très belles expériences de Luc Montagnier qui démontrent qu'effectivement, on peut mémoriser un signal dans l'eau par des dilutions successives et qu'ensuite, grâce aux résonances Schumann de la Terre, on utilise cette énergie Schumann qui est fournie par les orages pour recréer une onde de très faible intensité qu'on peut amplifier par résonance stochastique pour là c'était pour faire de la guérison. Voilà, donc ça c'était là. Lui il avait démontré que il partait d'un ADN qui diluait, après il retirait l'ADN, donc suivant la théorie classique, plus rien. Suivant l'éther et les phases, tout ça, il y a encore l'information électromagnétique, il y a un spectre électromagnétique de l'eau, de l'ADN qui est toujours là. Et ensuite, il utilise ce spectre électromagnétique pour recréer l'ADN de départ. Donc, je veux dire, on a la théorie, on a Walt Disney, et on a Luc Montagnier qui nous dit que ça marche. En plus, l'expérience, elle a été reproduite par un groupe indépendant en 2009. C'était un groupe 2019. Donc, c'était la grande critique qu'on lui avait fait à l'époque. Ah non, il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Ben non. Les Chinois y arrivent, alors si les Chinois y arrivent, et si Walt Disney s'y met, bon. C'est qu'on est sûr du lieu. Ah vraiment, certitude. Voilà. Alors ça va nous permettre de parler un petit peu, alors là il y a un peu d'équations pour se faire plaisir. Ah oui. C'est ce qu'on appelle les équations de la cohérence. La cohérence se fait par un mécanisme non linéaire. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous écrivez les équations de la cohérence, il y a à la base une équation du troisième ordre. Donc un terme au cube. Et ça, c'est un terme de non-linéarité. Et dès que vous avez de la non-linéarité, vous avez de la résonance stochastique ou ce qu'on appelle de la propagation par soliton. Alors, la propagation par soliton, tout le monde la connaît, en fait. Parce que si vous êtes allé dans les estuaires, vous avez dû voir les masses carrées. Oui. Ben, c'est ça, un soliton. C'est ces structures que l'eau adopte. L'eau prend une structure en vagues. Et ces vagues peuvent se propager sur des centaines de kilomètres, sans s'atténuer. Regardez comment ça fonctionne. On a l'équation, hein. Là je vous ai mis pour ceux qui ont oublié ce que c'était que les masses carrées. Oui. Puis aussi des grandes vagues scélérates,
tels que les appels Kanagawa, ce sont ces vagues qui se forment dans l'océan et qui peuvent faire 4000 km sans... Mais c'est des murs d'eau, hein, ça peut faire 20 mètres d'eau. Ça, les surfeurs, en général, ils adorent ces vagues. Et voilà, donc on a les équations de ces vagues-là. On peut appliquer ça à l'eau, les domaines de cohérence, je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on fait toute la physique? Alors, j'ai mis les équations pour ceux qui... qui aiment ça. Qui aiment ça. Nous, on va regarder juste le résultat. Le résultat, c'est que la cohérence a un optimum de propagation à 4 GHz. Pour les... la cohérence des domaines de cohérence qui nous constituent. Et justement, le Wi-Fi tape entre 2 et 5 GHz. Donc, c'est-à-dire qu'il tape en plein dans cette bande de fréquence de cohérence qui nous importe. Donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a des problèmes. Que là, vous tapez sur votre eau. Hein, donc, vous tapez sur 96% de ce qui vous constitue. Oui. Une autre explication, il y a la résonance stochastique, il y a aussi le fait que nous sommes des systèmes biologiques, donc chiro, c'est-à-dire qu'on est fait de molécules qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir. Donc ça, en termes d'électricité, ça veut dire qu'on peut transformer un signal sonore en signal électromagnétique. C'est le principe du micro. Le micro, c'est un matériau piézoélectrique. Ma voix est transformée en impulsions électriques qui sont enregistrées de façon numérique. Donc ça, notre corps peut le faire. Vous écoutez un signal sonore mécanique et ça peut être transformé en signal électrique grâce à ça. Mmh. Et puis il y a aussi toute la résonance d'échelle de Joël Steinheimer, théorie de 83, où là on passe non plus par des ondes électromagnétiques mais par des ondes de matière, c'est une théorie quantique. Là je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, ben, ce sont les... Alors il n'y a pas eu beaucoup d'expériences de fait. Mais il y en a eu quand même quelques-unes, c'est l'avantage. Elles ont le mérite d'exister, d'être publiées. Donc on a repris, là, le CMO a repris les principaux problèmes qui ont été identifiés pour les effets non thermiques. Donc là, vous avez quatre expériences. Par exemple, la courbe en haut à gauche, c'est le calcium. On voit très bien que quand on fait la barre rouge, quand vous exposez, là c'est des cellules d'hypophyse de cerveau de souris, quand vous les exposez à des champs électromagnétiques, paf, le calcium intracellulaire monte. Et comme je vous l'ai dit, calcium intracellulaire, c'est pas bon ménage. C'est pas bon. Non. Et dès qu'on met le dispositif CMO, ben, ça redevient au niveau normal. On revient au contrôle. Voilà. Là c'est une autre trace d'un effet, ce qu'on appelle les protéines de choc. Il faut savoir que dès que vous avez un stress, quel qu'il soit, vous avez production de ces protéines. Si vous voyez des protéines HSP70 qui apparaissent dans votre sang, c'est que vous êtes stressé. Pour une raison X ou Y, peut-être parce que votre copain vous a fait une crasse, mais ça peut être aussi parce que vous avez mis le téléphone à l'oreille. Et c'est ce qu'on montre ici. Quand vous mettez un téléphone à l'oreille, hop, ça, les protéines HSP70 augmentent. Et dès que vous avez le CMO, ça revient au niveau compensateur. En bas à gauche, c'est des effets sur de l'ADN. Donc là, c'est de l'altération de l'ADN des macrophages du péritoine. Donc là, toujours pareil, activation, stress oxydatif induit par les ondes électromagnétiques quand on est exposé. Et puis avec le CMO, bon là, c'est moins spectaculaire. Une légère compensation, mais quand même une baisse significative. Là, c'est une autre, à droite, c'est une autre séquence qui est, comment on se lie à un gène, une séquence ADN qui régule deux gènes qui sont CFOS et CJUN. Bon, ça, c'est les biologistes. Hein. Ces séquences sont perturbées quand on est exposé. Et quand il y a le CMO, elles reviennent normales. Voilà, donc, quelques choses simples. Qui montre qu'il y a, très parlante. Voilà, qu'il y a une théorie basée sur les propriétés de l'eau, il y a un dispositif qui a été construit à partir de ces théories, et il y a quelques résultats qui montrent que ça compense. C'est-à-dire que ce signal ultra faible est suffisant pour informer les cellules pour à ce qu'elles retrouvent quelque chose de normal. Voilà. Ça, c'est des études qui sont intéressantes, qui ont été faites par Madeleine Bastide sur des embryons de poulet. Et là, c'était d'autres rayonnements, c'est plus de la téléphonie mobile, on a des ordinateurs, des téléphones, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on vous vend
Il y a déjà vous vendre des systèmes de protection à mailles de cuivre. Parce que les mailles métalliques ont cette propriété d'arrêter les champs électriques. Simplement, si ces gens avaient la moindre notion d'électromagnétisme, ils sauraient qu'on peut arrêter un champ électrique, mais pas un champ magnétique. Et comme le champ magnétique passe et qui génère un champ électrique, puisque ça s'auto-entretient, la aiguille de cuivre, vraiment, ça ne sert à rien. Mais c'est pire. L'expérience montre que quand vous mettez la grille de cuivre, c'est encore pire que si vous ne la mettez pas. Donc, il y a des gens qui vous vendent des systèmes pour vous protéger, censés vous protéger des effets thermiques, évidemment, et qui, en fait, s'avèrent encore plus toxiques. Donc là, le CMO permet aussi, même en présence de grille, de s'en sortir. On sait que les ondes électromagnétiques sont toxiques, on sait comment elles interagissent avec les systèmes biologiques, avec l'eau. Donc on a tous les éléments en main. En fait, il y aurait des solutions très simples. Merci Marc. On a bien vu tous les produits CMO et le fonctionnement, comment ils ont été créés, pensés et mis en pratique. Donc il y a une large gamme que vous pourrez retrouver. Vous recevrez dès demain un mail qui récapitule tous les produits. Donc ils peuvent avoir un impact et toucher les téléphones portables, la téléphonie de manière générale, les ordinateurs, Internet à l'intérieur de la maison. Donc voilà, c'est une véritable, des véritables outils pour la santé de l'habitat, finalement. On parle beaucoup de la biologie et de la santé de l'humain, mais voilà, les deux sont imbriqués par la santé de l'habitat. Et donc, voilà, c'est aussi un moyen de se protéger de ces ondes-là, de ces outils qui sont délétères, on les a bien compris, hein, tu nous l'as bien expliqué, Marc, mais voilà, qui sont inhérents au quotidien et c'est difficile de s'en détacher aujourd'hui avec des solutions, voilà, comme propose le CMO, pour pouvoir continuer de les utiliser dans la vie, dans notre quotidien qui est le nôtre aujourd'hui, mais de manière plus saine et sans impact. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on a choisi, là, dans cette présentation, de montrer CMO, c'est parce qu'il y a une démarche scientifique. Donc, c'est des dispositifs qui sont intéressants parce que testés scientifiquement et basés sur une théorie qui est scientifique. Après, pour ce qui est des effets, si les personnes sont électrosensibles, c'est au cas par cas. Vous retrouverez également demain dans le mail un bonus complémentaire. On est passé très vite sur certaines notions exposées lors de ce webinaire. Donc toutes ces notions-là sont réexpliquées en détail dans le bonus. Il faut être un petit peu aguerri en mathématiques, mais voilà, vous avez toutes les explications qui vont un peu plus loin sur tout ce qu'on a évoqué au cours de ce webinaire. Merci infiniment, Marc, pour tes partages, ta générosité, toutes tes explications. Tu as réussi à rendre accessibles ces notions-là qui sont, on l'a bien compris, parfois un petit peu exigeantes. On a bien en tête toutes ces notions que tu nous as exposées aujourd'hui. Donc, merci infiniement pour toutes ces informations. Tout est phasé. Tout est phasé, il y a du flou partout et tout est phasé. Voilà, si on pouvait résumer, c'est mettez du flou dans votre vie et n'oubliez surtout pas de vous mettre en cohérence de phase avec les choses qui vous entourent, les choses et puis les êtres aussi. Oui, on va rester sur ça. Merci beaucoup, merci à vous pour votre présence aujourd'hui et puis je vous souhaite à tous une belle soirée. Au revoir. Au revoir.